fleur mauve de Jacaranda, la capitale de Madagascar, se part de sa belle tenue de fête. Et c'est bien la fête de Noël et la fête de la fin d'année. Les bonbons, les guirlandes, les décorations de Noël avec les animations publiques, ça va vous faire immerger dans l'ambiance locale de la célébration de Noël Gas de Madagascar. Eh bien, les Malagas faire la fête ici comme ailleurs, du coup donc nous faisons la fête, prend-il nos étangs de faire cela. Du coup donc les rues ne sont pas du tout vides, on danse, on chante, on mange bien, mais surtout on accorde beaucoup plus de temps pour des rencontres, pour des sorties, pour des petites balades, surtout en famille et pourquoi pas entre amis. Cette semaine donc avec Canal Austral TV, je vous embarque pour un très beau voyage, un magnifique voyage ici dans la capitale de Madagascar afin de vous faire immerger dans l'ambiance locale. Noël Gas, c'est parti. Antananarivo est en pleine effervescence quelques jours avant les fêtes. Les rues ne sont pas vides, on y croise beaucoup de monde, des gens qui se déplacent en famille ou entre amis pour faire le bazar de Noël, comme nous l'appelons ici. Une décoration féerique pour Noël scintillant. Quelques jours avant la fête de la Nativité, l'ambiance de fête est déjà au rendez-vous dans tous les recoins de la ville des Milles. Cette ambiance est surtout palpable du côté d'Analakil, d'Antanarin, de Souaran jusqu'à Beoririk. La musique de Noël résonne un peu partout dans tous les magasins. Les articles d'habillement, de jouets et les accessoires envahissent les rues et trottoirs. Ces endroits ne se désertent pas tout au long de la journée, voire même dans la nuit. Dès 16h, quelques troupes d'individus s'attroupent déjà dans des endroits publics comme ici, à proximité du palais présidentiel symbolique d'Ambutsrouj, aussi dans le jardin d'Antananarivo pour être au premier rang de ce plus beau spectacle de lumière. Et pour immortaliser ce moment magique, les photos et selfies sont immanquables. Le mois de décembre rentre bel et bien dans la période de pluie, mais cela n'empêche pas les gens de ne pas passer un très beau moment ensemble, car Noël, c'est la fête, c'est de la joie. Pour beaucoup de parents, Noël c'est le moment de cadeaux. On achète de nouveaux habits pour la messe de Noël et des nouvelles paires de chaussures, des jouets pour les enfants. Il est à noter qu'à Noël, on mange comme des rois. On se raffole des bonbons qui s'interprètent comme un souhait d'avoir une vie plus douce. Ici, on dit c'est une main coucou. Pour le repas de Noël, on mange du bon pharmacaluc, du riz blanc ou encore du varkas qu'on sert avec des viandes matavi, des viandes bien grasses comme de porc, de zébu, des volailles. À ne pas oublier bien sûr le bouillon de bread et beaucoup de légumes pour équilibrer le gras. On a toujours de la sauce pimentée aussi sur la table.
un des plats de grande fête malagasse est la dinde au porc, où chacun des membres de la famille doit manger une partie bien précise. Par exemple, le croupillon est réservé aux personnes aux cheveux blancs, aux personnes âgées. Les cuisses, quant à elles, c'est pour les enfants, les ailes, c'est pour les filles cadettes, et ainsi de suite. Comme Madagascar est un pays où les gens sont majoritairement chrétiens, les Malagas fêtent Noël et chacun à sa manière. Noël, c'est assister à des grands cultes, une grande messe. Les enfants offrent aux familles ce qu'on appelle arbre de Noël, qui est constitué par des chants de Noël, des poèmes, des pièces de théâtre et des sketchs. Pour couronner le tout, la fête se termine par l'arrivée de Dada Benouel qui ramène beaucoup de bonbons et de jouets. Enfin, le Noël Gas, c'est de la joie particulière et du partage, de l'ambiance et surtout de la grande messe et spectacle de Noël. Avec ces décors magnifiques, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et ici à Madagascar, nous disons Mirar Fet Samaj. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Restez avec nous et je vous dis à très bientôt. Beloumé!